Allez, salut tout le monde, ici Play4You, c'est parti, on attaque le troisième épisode, si je dis pas de bêtises, de Minecraft Hollywood, avec une petite surprise, un petit fail, j'ai envie de dire. J'ai fait un tournage de l'épisode 3 pendant qu'il y avait de l'orage, surtout ne le faites pas, parce qu'il y a un éclair qui a pété genre à 30 mètres de chez moi, mais vraiment... C'est quoi ce bruit? Juste à côté de mon jardin. Et il a tout fait sauter dans ma baraque. Il a tout pété, il a cramé ma lifebox. Je suis dégoûté. Et surtout, j'ai perdu le tournage de l'épisode 3. Ce qui fait que pour vous, j'atterris juste ici. Alors rassurez-vous, l'épisode 3, au moment où l'orage a claqué, ne faisait que 7 minutes. Donc j'ai perdu les 7 premières minutes de l'épisode. Et ce qui fait que pour vous, j'atterris pas au même endroit où j'étais à la fin de l'épisode 2. C'est normal. Bon, heureusement que j'avais une deuxième lifebox. Tout va bien, l'orage est parti, je reprends le tournage. Pour vous, il y a 7 minutes de coupé. Je vais rapidement vous expliquer ce qui s'est passé pendant les 7 minutes. J'ai décidé d'explorer l'extérieur de la ville. Dans l'épisode 2, j'ai exploré l'intérieur. Dans cet épisode 3, j'ai décidé d'explorer l'extérieur. Donc je suis parti. L'immeuble où j'étais, il est juste derrière ce... J'avais bien que j'entendais des trucs bizarres. Allez, 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 allez. Ouais, combien de creepers là? Combien de creepers? J'ai eu chaud les marrons. On peut même plus expliquer, on peut même plus parler, on est tout le temps harcelé. C'est bon, j'ai rien pris. Il y avait un squelette par contre, si ma mémoire est bonne. Petit squelette, allez bien. Ah, t'as dégusté. Il y a une araignée là-bas, elle m'a vu. Eh ben dis donc. Ça sent l'épisode sous tension, ça. Ok, super. Y a personne d'autre, je peux rester tranquille. Ok, donc je disais, à la fin de l'épisode 2, j'étais dans un bâtiment juste derrière cette grosse carcasse. Et du coup, j'ai avancé 7 minutes tout droit. Je suis tombé dans ce marché. Je vous informe qu'il n'y a que de la bouffe. Voilà, j'avais pris le temps d'explorer stand par stand. Et en fait, c'est un marché qui propose de la bouffe. Vous voyez par exemple ici, du poulet pas cher, cru 5$, cuit 7$. Je me méfie hein, parce qu'il va y avoir du monstre. Voilà, il y a du creeper ici, on le voit. Et ensuite on a un autre marché ici qui propose du matériel. Alors pas de barre de fer, hélas pour moi, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des barres de fer. Par contre il propose une épée en diamant. Je me méfie parce que là-bas il y a le creeper. Je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. Est-ce que c'est toi? Ouais, c'est lui, voilà. Épée en diamant contre 4 billets de 20$. Donc 80$ l'épée en diamant. Ça peut potentiellement être intéressant. Ça peut potentiellement être intéressant. Le problème c'est que 80$, j'ai encore pas acheté ma maison. Je préférerais garder mon argent pour la baraque. Et puis on verra pour la suite. On va essayer de se faire ce squelette là. Allez, viens. Viens, 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 je sais que t'es là. C'est ça, t'as qu'à me taper, je te dirai rien. Il y en a un autre, c'est pas possible. Non, c'est le seul. Ok, t'as eu canard. Ok, bon voilà, c'est vrai que c'est assez spécial pour moi de faire un épisode de 7 minutes et d'avoir une grosse coupure de courant et de refaire la même chose. Mais bon, j'ai vraiment pas loupé grand chose. Hein. Concernant l'inventaire, je pense pas avoir non plus pris énormément de choses. Ah, j'entends encore des squelettes, quoi. Donc là, on est dans le bureau de Marie Bain, avec un petit jeu de mots, Bain-Marie. Vous avez le droit de rigoler. Et puis on va profiter du jour encore une fois pour explorer l'extérieur. Donc l'objectif de cet épisode c'est de trouver des indices pour le contrat Walking Dead. Et les indices en fait m'ont mené ici. Donc je continue. Ouais, c'est vrai que c'est assez flippant. Putain, je suis encore sous le choc de cet orage qui a claqué ma lifebox. C'est un truc de ouf. Cette haie sans le secret. Oula. Et je disais 9 mois de travail, hein, 9 mois de travail pour construire cette énorme ville. Mes respects à toute l'équipe. Mes respects, vraiment c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Magnifique creeper. C'est très très grand. C'est vraiment immense. Encore un énorme bâtiment. C'est vrai que j'aimerais bien faire le tour de cette ville pour voir un peu à quoi ça ressemble. Puis on s'engouffrera à l'intérieur des immeubles quand il fera nuit. Quand je me dis que j'ai tout ça à explorer, c'est juste de la folie, quoi. Bon, et les vaches, vous avez que ça à foutre d'être en haut, là. C'est un truc de dingue, quand même. Ok, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. On va aller voir. J'ai l'impression que j'ai atteint les limites de la ville. Ah, il y a quelque chose ici. Encore des moutons, des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette zone-là? Alors, ça, je prends. Ça fait plaisir. Je prends avec grand plaisir. Pas une petite pancarte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère ne pas me diriger vers la mauvaise zone. Qu'est-ce que c'est que cette zone?
Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Ça donne envie d'explorer, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et la tête de Donald. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Godfan Manor of the Dead. Place les 5 clés dans ce coffre une par une pour rentrer. Contrat Walking Dead. Ouh! C'est l'endroit du contrat Walking Dead, d'accord. Place les 5 clés dans ce coffre une par une pour rentrer. Contrat Walking Dead, d'accord. C'est la zone de Walking Dead, ok. Donc il faut que je trouve les 5 clés. Il faut que je trouve les 5 clés. Ouais, mais où est-ce que je vais les trouver, ces foutues clés? Oh my goodness. C'est magnifique. Place les 5 clés. D'accord, ok. Bon. J'admire, hein, excusez-moi. Je prends le temps d'admirer parce que là, je suis encore sur le cul, quoi. Bon, j'imagine que les 5 clés sont cachées dans la ville du quartier riche. Du coup, ça met à jour ma quête principale puisqu'il faut que je me mette à trouver des clés maintenant. 5 clés sûrement pour pénétrer dans ce manoir et obtenir la quête de Walking Dead. Ça me plaît, ça. Walking Dead, on va se marrer. Hein, à 4 avec des fusils à pompe pour éclater du zombie. Ça va être assez sympathique. Donc ça sentait le secret, on s'en souvient, dans cette haie. Donc du coup, on va y aller. Allez, on va prendre la bouffe au passage. Si ça sent le secret, à mon avis, ça vaut le coup d'y aller. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Que dalle, il n'y a rien. À part que j'ai une belle vue. Ouais, je regarde, il n'y a rien. On n'a pas la même vision, hein. Tout le monde sait que j'ai la vision d'une huître asthmatique. Mais bon. Vous avez oublié de prendre un livre qui indique les détails de la quête principale. J'ai oublié de prendre un livre. Oups. J'y retourne, merci, merci. Heureusement qu'ils sont là. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de prendre un livre. J'ai oublié de regarder le coffre, évidemment. J'y retourne, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un coffre. Oui, il y a un creeper là-dedans, j'espère qu'il allait à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Hop là. Indice, contrat Walking Dead. Ah oui, mais est-ce que j'ai le droit de le prendre? C'est ça la question. Tac, tac, tac. Il y a une pancarte. La pancarte, je vais la prendre pour enterrer l'un d'entre vous. J'aime pas du tout ça parce qu'il fait nuit. Alors, je me casse. Parce que là, il fait nuit, ça va pas être bon du tout pour les affaires. Je vais me retrouver nez à nez avec plein de creepers, je vais me faire péter la tronche. Et c'est tout ce que je veux pas. Ok, on va s'enfermer là-dedans. Sorti. Oui, merci. Voilà, ok, allez, on va lire. Donc, page 1. On raconte que le concierge du bâtiment avec les tentures, on va dire les teintures jaunes et blanches, a des infos sur une clé. Va voir dans son appartement au rez-de-chaussée. Ah bien, contrat Walking Dead. Les créateurs de la série The Walking Dead font passer un casting pour le rôle principal. Les conditions pour le décrocher: entrer dans la maison en collectant les 5 clés cachées en ville et venir à bout de toutes les épreuves cachées à l'intérieur. Pour commencer, apporte les 5 clés et pose-les une par une dans le coffre indiqué. Don't open dead inside. Ok. Bon ben ça marche. Donc effectivement, le contrat Walking Dead, ben voilà, pour passer le casting, il faut que je rentre dans cette maison et que j'affronte toutes les épreuves. Pour rentrer dans la maison, il me faut les 5 clés qui sont éparpillées à l'intérieur de la ville. Et la première clé, il faut donc que le concierge du bâtiment avec les teintures jaunes et blanches a des infos. Ça va voir dans son appartement au rez-de-chaussée. Bon voilà, il faut que je trouve... Il faut que je trouve ce bâtiment. Putain, le mouton, tu t'es pris une tarte. Poubelle. Salle de cinéma privée. Mais c'est immense. C'est immense. Oh, c'est immense. Oh my god, quoi. La vache. C'est un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? C'est vrai que si j'avais un peu plus d'armure, je me sentirais plus rassuré, quoi. Ya. Petite spider. Allez, viens, viens la grosse. J'arrive même pas à taper tellement t'es bugué. Oh my god, ils ont refait une salle de cinéma. Regardez ça, c'est un truc de taré, quoi. C'est un truc de taré ce qu'ils ont fait encore.
Ça vaut le coup d'y aller ou pas? À part qu'il y a plein de monstres. Oui, je sais même pas si ça vaut le coup d'y aller. Oh la vache, j'espère au moins une petite récompense. Coucou! Coucou, coucou! Mais fesses, ouais, il y a juste plein de monstres à tous les coups et puis c'est tout, quoi, rien d'autre. Il n'y a que dalle, quoi. Rien du tout. Bon, c'est le moment idéal pour enterrer l'un d'entre vous. Je me méfie que ça me pop pas sur la tronche. Je vais enterrer l'un d'entre vous dans cette salle de cinéma. Je ressors mon petit listing des personnes que je dois enterrer. Je regarde pas l'écran. J'espère qu'il n'y a pas de creeper. J'espère qu'il n'y a pas de creeper. Petit listing. Ça y est, jeté. Allez, on y va. Bon, bah, t'auras pas de fleurs, je suis désolé. Ici, repose. N-I-N. Thalès. F-E-U-N-A-R-D. Nintales Fenard, écoute, félicitations à toi, tu intègres Minecraft Hollywood, je t'enterre dans ce cinéma. C'est très glauque, c'est très lugubre, je suis pas du tout rassuré à l'idée de rester là. Et je vérifie juste, il n'y a pas un petit secret. On peut voir peut-être un petit coffre de cachet quelque part, même pas. Même pas, que dalle, rien. Ça sent le secret malgré tout, hein. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de me faire avoir sur cette histoire-là. Allez, un zombie, on l'esquive. Qu'est-ce qui est écrit? Contrôle de l'éclairage. Ouah, la vache. C'est chaud, contrôle de l'éclairage, mais fesses. Ah si, en bas, ça éclaire, effectivement. Ok, on se casse. Petit, petit. Vache, c'était chaud. C'était chaud avec le creeper, j'ai fait clic droit et du coup, j'ai pas subi de dégâts. Mais bon. Bon, ben voilà. J'étais enterré, mon petit Nintales, là. Coucou, coucou, salle de cinéma privée en bas. Ouais, bah oui, mais là je vais où? La salle de cinéma privée ici. Oh, un petit barman. Salut mec. Un petit moscato, s'il te plaît. Moscato d'Asti, c'est un petit vin italien pétillant. C'est pas mauvais du tout, je vous le conseille. On peut en trouver dans les grandes surfaces. Et puis sinon, il y a toujours le traditionnel muscat. Enfin bref, c'est un autre sujet. Lila, lila, li. Sale cochon. Il y a plein de salles de cinéma ici. Quoi. Interrupteur, éclairage. Ok. Bon, je suis pas sûr d'être au bon endroit, mais je suis même à peu près sûr de pas y être. C'est juste que comme il fait nuit, c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de me promener dehors. Toujours est-il qu'il faut que je trouve le bâtiment avec les teintures. Le bâtiment avec les teintures jaune et blanche. Jaune et blanche, ok. On va essayer de le trouver. Si je pouvais trouver un plumard, ce serait sympa. Sorti. Allez, on y va. Je suis un peu malade de sortir comme ça sans armure, mais comme on n'est pas en hardcore, je me permets. Jaune et blanche, donc, on est d'accord. Hein. Jaune et blanche. Jaune et blanche, jaune et blanche, jaune et blanche. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un truc jaune et blanche, quoi? Jaune et blanche. Je cherche, hein, je regarde. Ok, jusque-là, tout va bien. Araignée, spider, rien du tout. Je trace. Hop là. Je trace, je fais un peu le kamikaze. Jaune et blanche. Est-ce que vous avez repéré un bâtiment jaune et blanc, vous? Je regarde. J'en profite pour faire le tour, pour regarder un peu. Je cherche toujours jaune et blanc. Oh, jaune et blanc, ça doit pas être très discret malgré tout, quoi. Des spiders derrière moi. On trace, on court, on sprint. Je sais pas ce que c'est que cet endroit. Quelque chose, rien, du zombie. Ok, on continue. Là, une porte, on y va. Avec un peu de chance, je vais trouver un plumard. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Permettre de finir de passer la nuit à l'intérieur. Salut mec. Matt, salut Matt. Il y a rien. Je dors sur le canapé. Et ben voilà, regardez ça, pile poil. Nickel. Allez. On va pouvoir passer la nuit. Alors. Ok, super. Ça sent le secret là-dedans. Allez, on ressort. Alors, jaune et blanc. Jaune et blanc, jaune et blanc, jaune et blanc. Pop, 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 pop. C'est tellement grand que ça va pas être évident, hein, franchement. Pharmacie, cabinet médical, premier étage. Ah! Ça peut être sympa par contre. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de monstre. Ok, je suis tranquille. Bon, tout ça peut pas être exploré. Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
Paracétamol. Stock de médicaments. Note, pense à faire le ménage. Ah, tu m'étonnes. C'est dégueulasse chez toi. On va casser la croûte, tiens, pendant que j'y suis. Stock de médicaments. Donc ça, on s'en fout. De la bouffe crue, je prends. Y a rien, y a que dalle s'il y a encore un coffre. Alors, des trucs d'enchantement. Bon, je vais les prendre, histoire de dire que je vais les prendre, mais... Voilà, ok, super. Je reprends ça. Qu'est-ce que je peux virer? Voilà, je vais virer ça. J'entends du zombie. Je prends la pancarte pour vous enterrer. Et puis on se casse. Ok, il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a rien. Ah, là-bas, il y a des pancartes. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Caisse. Prix. C'est ça. Pour obtenir la potion, vous devez avoir une ordonnance chez le médecin au premier étage. La potion. Oh, il y a du pognon ici. Il y a du pognon. Bah, je prends. Moi, je prends dans la caisse. Attends, mais tu crois quoi, toi? Eh, c'est la crise, mec. C'est la crise. Moi, je prends. Tu me donnes de l'argent. Il faut pas. Tiens, tu sais quoi? Je vais te donner ça. Hop, voilà. Donc, pour obtenir la potion, vous devez avoir une ordonnance au premier étage. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les antibiotiques ne sont pas automatiques. Cabinet médical. Très bien, on y va. On va essayer d'obtenir cette foutue ordonnance. Salle d'attente. Bonjour. C'est excellent, regardez ça les mecs. Excellent, patient. J'ai un rendez-vous avec le docteur Morty, j'espère qu'il est efficace. J'ai un rendez-vous avec le docteur Funérailles. Ouh là là, c'est pas bon ça. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Nous informons... Information, nous ne sommes pas responsables des bruits de l'étage. Très bien. Docteur Mortis, un tableau cache parfois des surprises. Oh, ça c'est de l'indice. Docteur Funérailles, médecine orientale, mon dernier patient me remercie encore. Magazine. Voici, pub, l'équipe, science et vie. Et les mecs, ils se sont vraiment fait chier au détail près, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte, je fais une petite pause pour vous... Non mais je sais pas si vous vous rendez compte le souci du détail, c'est-à-dire qu'ils savaient pas du tout si j'allais me rendre là, et ils ont fait des magazines jusqu'à les renommer quoi, ils ont mis l'équipe, science et vie, ils ont fait des patients, ils ont renommé les textes, mais c'est un truc de malade quoi ce qu'ils ont fait. Docteur Funérailles, bonjour docteur, mon collègue ne m'inspire pas confiance, bonjour I Play For You, que vous arrive-t-il? La chiasse, j'ai juste la chiasse, ordonnance, ça y est j'ai une ordonnance, super. Qu'est-ce que je peux jeter là? Parce que c'est vrai que tiens ça. Hop voilà, je prends mon ordonnance. Merci, merci monsieur le médecin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un tableau? Parce qu'avec l'indice que j'ai obtenu tout à l'heure là. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aime beaucoup ce tableau, il m'inspire. Ah ah, il est où ton tableau? Quel tableau? Il est là, ouais. Plante médicinale. Bon, tout ça on s'en fiche un peu, je prends les patates puisque j'en ai déjà. Putain, j'arrive pas à le détruire. Il y a forcément quelque chose derrière. Il faudrait que j'arrive à grimper. Dégage toi. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Oh oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Petit secret. Petit secret, mes amis. J'ai oublié d'activer le levier. Oh non, 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 non. Flûte. Il faut que je trouve le levier. Le levier, il serait pas dans l'autre chambre, là. Là, il y a un levier. Voilà. On va dire que c'est ici. J'en sais rien. Hein. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais... Tiens, je vais en profiter pour allumer les lumières aussi. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, ce sera ça. Est-ce que c'était ça? Suspense, suspense. Non, pas du tout. J'ai oublié d'activer le levier. Punaise, il est où le levier? Non, je suis trop proche d'un trésor pour le laisser tomber celui-là.
Wary's levier. Attention, la quête ne commence pas ici. Bah où? Eh mais où? Où? Mais comment sous? Où alors? Où? J'ai oublié d'activer le levier. Bon, salle d'attente. Et comment sous? Ben moi je me casse. Un indice se trouve dans le livre que tu as obtenu. J'ai pas obtenu de livre. Oui, non, mais je me doute bien. Mais. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Au secours! On va discuter avec les. Là, c'est pas une quête secondaire, là? Non, c'est pas une quête secondaire? D'accord, je pensais que c'était une quête secondaire, autant pour moi. Autant pour moi, mais on se casse alors. On va chercher. Non. Ok. Je pensais que c'était une quête secondaire. Bon, la fameuse ordonnance, je la mets de côté. Ok, je pensais que c'était une quête secondaire. Donc je cherche toujours les. Est-ce que ce serait pas ça? Là, regardez ça. Jaune et blanc. Les teintures jaune et blanche. Yes, c'est ici. J'ai trouvé. Teinture jaune et blanche, c'est ici. Literie. Ah non, c'est la literie ici. Non, ça n'a rien à voir. C'est jaune et blanc pourtant. On raconte que le concierge du bâtiment est au rez-de-chaussée. Appartement au rez-de-chaussée. Ça, c'est le bâtiment jaune et blanc, non? Jaune et blanc. Ah, il y a quelque chose ici. Concierge. Ah, yes, j'y suis. Super. Attention à la marche. Bienvenue dans mes toilettes. Ce message est très important. Lis-le. Récompense. Ah, ok, super. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que je peux virer là? C'est pas possible. Alors, post-scriptum by hotshot, disparition. Ok, on y va. Ça, je vais le tège. Hop, ça, on pose ici. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Des locataires de l'immeuble ont mystérieusement disparu ces derniers temps. Étrangement, ils étaient tous malades juste avant de disparaître. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de grave. C'était des gens bien. Si tu pouvais m'aider à les retrouver, ce serait bien. Ce serait gentil. Bien sûr, une récompense t'attend si tu réussis. Ok. Et ensuite. Post-scriptum, si tu veux ramener leurs clés, tu pourras rentrer chez eux. Quoi? Si tu veux ramener leurs clés, tu pourras rentrer chez eux? Qu'est-ce que tu racontes? Donc disparition, c'est la quête. Ninininininininin. Si tu pouvais m'aider à les retrouver, ce serait gentil. Donc il faut que je retrouve des locataires de l'immeuble qui ont disparu. Ok, d'accord. On va voir un peu s'il y a une suite à tout ça, parce que pour l'instant, ça me parle pas plus. On va voir, est-ce qu'il y a une suite, concierge? Qu'est-ce que c'est que ça? Boîte aux lettres. Concierge. Ok, facture, publicité. Salut Sandra. Du poisson pourri. Ah, adieu. Pourquoi adieu? Non, pourquoi adieu? Jean-Claude, tu me réponds pas. Qu'es-tu devenu? Ma vie n'a plus de sens. Adieu. Quoi? Jean-Claude ne me répond pas. C'est des fracassés. C'est vraiment des fracassés. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Facture. Facture. T'sais, j'ai vraiment plus de place dans mon inventaire. C'est ça qui est embêtant, quoi. Alors, facture. Facture d'eau. Nous pensons que vous avez oublié d'atteindre le robinet. En effet, le montant de votre facture, c'est de 923 dollars à payer le minimum à la compagnie d'eau. Magnifique. On va reposer ça. Bon, ça, on a fait. Ça, on a fait. Ça, on a fait. On vérifie juste toutes les boîtes aux lettres une à une. Carte postale. Là, y a rien. Là, y a rien. Un colis. Un colis? Est-ce que ça s'ouvre les colis? Non, c'est juste un coffre. Ok, y a rien. On est d'accord, y a rien. Hein. On est d'accord, y a rien. Ok, bon, je continue. Premier étage. Oh là 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 là, dans quelle galère je me suis engouffré moi. Welcome! Hey Joe! Salut Joe! Ça va mon Joe? Oui, je dors sur un lit en bois et alors? Mais y a pas de souci, Joe, tu fais ce que tu veux. Coffre inutile. Avec des carottes. Ok. Ok, bye bye. Merci Joe. Jean.
Jean Lamar. C'est pas Jean Lamar, c'est Jean Lamar. Salut Jean. Ouais, y a des bruits de zombies chez toi, Jean. Tu te méfieras. Hein. C'est craignos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Même si l'immeuble est vétuste, on dort quand même au chaud, ou pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut que tu dormes au chaud. Allez, on ressort. Appartement vide. Alors, appartement vide. Coffre oublié. Ok, il n'y a que dalle. Alors, l'ancien locataire était incontinent. Il avait donc besoin d'une bouteille en cas de problème. Donc, il y a un bout d'échelle. Je note qu'il y a un bout d'échelle. Et ici, y aurait-il pas un indice ici? Je suis pas du tout rassuré. Il n'y a rien. Ok, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Ici, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. Là, il y a un plumard cassé. Ok, il n'y a que dalle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des carottes, ok. Et oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Hein? C'est ça la question. Oh là là, on a déjà dépassé largement les 20 minutes. Ça continue par en haut. Ok, on va couper là cet épisode. On se retrouve bien sûr très très rapidement. Je rappelle 5 épisodes par semaine sur Millennium pour la suite de cette aventure. On va continuer d'explorer cette ville. Je rappelle qu'il faut que je trouve 5 clés pour obtenir le contrat Walking Dead. Allez, salut tout le monde.